Bonjour. Dans la vidéo que vous regardez, je vais vous parler de la nourriture. Je vais vous parler de la nourriture. Les fruits. Les fruits. La pomme. La pomme. La pomme. Les pommes. C'est pluriel. Les pommes. Les pommes. Singulier. Pluriel. La pomme. Les pommes. L'orange, l'orange, l'orange. Les oranges, les oranges, les oranges. La banane, la banane. Les bananes, les bananes, les bananes. Le raisin, le raisin, le raisin. Les raisins, les raisins, les raisins. Donc, le. Les. Les. Le raisin, les raisins. La mangue. La mangue. Les mangues, les mangues, les mangues. La poire, les poires. La fraise, les fraises. La framboise, les framboises. Les framboises. Le bleuet. Les bleuets. Les légumes. La carotte. Les carottes. Le céleri. Les céleri. Le lait. Le concombre. Les concombres. Le brocoli. Les brocolis. L'oignon. Les oignons. Le champignon. Les champignons. La tomate. Les tomates. Les tomates. En vérité, la tomate est un fruit. Mais normalement, on mange la tomate avec les légumes. Donc, pour la classification, c'est plus facile avec les légumes. Mais en vérité, la tomate est un fruit. Mais on mange normalement la tomate avec les légumes. Donc, c'est plus facile pour l'apprentissage avec les légumes. La patate. Les patates. Le piment. Les piments. Les viandes et les poissons. Le poulet.
le poulet, le bœuf, le bœuf, le bœuf, le porc, le porc, le porc, la saucisse, la saucisse, la saucisse, la saucisse, le bacon, le bacon. La prononciation, c'est comme en anglais. La prononciation, c'est comme en anglais. Le bacon. Les côtes levées, les côtes levées, les côtes levées. Les œufs, on ne prononce pas le F et le S. Les œufs, les œufs, les œufs. Le saumon, le saumon, le saumon, le saumon. La truite, la truite, la truite. Le thon, le thon, le thon. Les crevettes, les crevettes, les crevettes. Les produits laitiers, les produits laitiers, les produits laitiers. Le lait, le lait, le lait. Le beurre, le beurre, le beurre. La crème glacée, la crème glacée, la crème glacée. Le fromage, le fromage, le fromage. Les produits céréaliers, les produits céréaliers. Le pain, le pain, le pain. Le riz, le riz. On ne prononce pas le Z, on ne prononce pas le Z. Le riz, le riz. Le croissant, le croissant, le croissant. Au pluriel, les croissants, les croissants, les croissants. Le gâteau, le gâteau, le gâteau, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Si la marque du pluriel, c'est X avec gâteau, X, la marque du pluriel. Le gâteau, les gâteaux. La tarte, la tarte, les tartes, les tartes, les tartes. Le biscuit, le biscuit, le biscuit. Les biscuits, les biscuits, les biscuits. Le spaghetti, le spaghetti, le spaghetti. Le macaroni, le macaroni. La lasagne, la lasagne, la lasagne. Les boissons, les boissons, les boissons. Le thé, le thé. Le café, le café. L'eau, l'eau. Le jus d'orange. On ne prononce pas le S, on ne prononce pas le S. Le jus d'orange, le jus d'orange. Le jus de pomme, le jus de pomme. Le vin, le vin, le vin. La bière, la bière, la bière. Autre, autre. Le sel, le sel. Le poivre, le poivre. Le sucre, le sucre, le sucre. La farine, la farine, la farine. La sauce brune, la sauce brune, la sauce brune.
La sauce barbecue. La sauce barbecue. La sauce barbecue. La sauce aigre douce. La sauce aigre douce. La sauce aigre douce. Le ketchup. Le ketchup. Le ketchup. La mayonnaise. La mayonnaise. La mayonnaise. La moutarde. La moutarde. La moutarde. Le vinaigre. Le vinaigre. Le vinaigre. La confiture. La confiture. La confiture. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Il manque un S. Les chips. Les chips. La prononciation, c'est comme en anglais. Les chips. Les chips. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites. Le hamburger. Le hamburger. Le hamburger. Le sandwich. Le sandwich. Les sandwichs. Les sandwichs. Les sandwichs. Le sous-marin. Le sous-marin. Le sous-marin. Les sous-marins. Les sous-marins. Les sous-marins. Le hot dog. Le hot dog. Le hot dog. Les hot dogs. Les hot dogs. Les hot dogs. La poutine. La poutine. La poutine. La poutine. La pizza. La pizza. La pizza. Ici, l'exercice. L'exercice, c'est pour décrire. Décrire. Les goûts alimentaires. C'est pour décrire les goûts alimentaires. Les fruits. J'adore. J'adore les fraises. J'adore les fraises. J'aime. J'aime. J'aime les mangues. J'aime les mangues. Je n'aime pas. Je n'aime pas les pommes. Je n'aime pas les pommes. Je déteste les bananes. Je déteste les bananes. Je déteste les bananes. Les légumes. J'adore. J'adore. J'adore les carottes. J'adore les carottes. J'aime les patates. Je n'aime pas les concombres. Les viandes et les poissons, la même chose, la même chose. Les produits laitiers, la même chose. Les boissons, la même chose. Et autres, la même chose. Quand il y a du pluriel, quand il y a du pluriel, vous utilisez le pluriel, hein, les pommes. Hein, pour faire la phrase, c'est pluriel, les pommes. J'adore les pommes. L'autre exercice, l'exercice suivant, c'est en équipe de deux. Deux personnes. Deux personnes. Je pose la question. Est-ce que tu aimes la pizza? L'autre personne répond, oui,
J'aime la pizza. J'aime la pizza. J'aime la pizza. Est-ce que tu aimes le brocoli? Je déteste le brocoli. Je déteste le brocoli. Déteste. Donc, deux personnes pour pratiquer à parler. C'est l'exercice pour pratiquer à parler. Et ici, un dialogue à l'épicerie. La caissière. Bonjour. Le client. Allô. La caissière. Est-ce que vous avez des sacs réutilisables? Le client. Non, je n'ai pas de sac réutilisable. Je vais prendre un sac de plastique. La caissière. Avez-vous la carte Hermès? Le client. Oui, j'ai la carte Hermès. La caissière. Merci beaucoup. Le client. Combien ça coûte? La caissière. Ça coûte 24,95. Comment allez-vous payer? Le client. Je vais payer avec la carte de crédit. La caissière. Parfait. Vous pouvez insérer la carte et faire votre NIP. Est-ce que vous voulez la facture? Le client. Oui, je veux la facture. La caissière. D'accord. Je mets la facture dans le sac. Bonne journée. Le client. Merci. Bonne journée. Je cherche. Je cherche les biscuits. Je cherche les fraises. Je cherche les fraises. Je cherche.